sont sur le terrain. C'est le temps de discuter de ce conflit, cette guerre interminable avec nos collègues Paul, Mario, Emmanuel. Bonsoir à vous. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Donc, manif et contre-manif. Aujourd'hui, cette manifestation pro-palestinienne qui a donné lieu, on vient de le voir, à des gestes violents, regrettables, des vitres brisées, de l'intimidation, nos journalistes qui ont été pris pour cible. Vos premiers commentaires, Mario? Ben, c'est terrible. C'est sûr que ça fait peur. C'est-à-dire que de toutes les époques qu'il y a eu, lorsqu'il y avait des guerres à l'étranger, des gens qui faisaient des manifestations parce qu'ils souhaitent la paix. Tu sais, la norme, c'est de faire des manifestations pacifiques, pacifistes, de souhaiter la paix, de souhaiter la fin des guerres. C'est triste à dire, mais on va se dire la vérité, c'est pas ce à quoi on assiste. C'est des manifestations guerrières. C'est des gens qui veulent la guerre, qui célèbrent l'attaque du Hamas. Évidemment, ils sont pas satisfaits de la tournure des événements parce qu'ils ont l'impression que c'est Israël qui gagne la guerre, mais je veux dire, c'est pas... On ne sent pas qu'on a des gens qui réclament la paix. On a des gens qui ont des slogans extrêmement belliqueux, qui souhaitent la destruction des autres et qui amènent cette colère-là, qui amènent ce sentiment guerrier dans nos rues, masqué pour plusieurs. Je dis pas que c'est tous le cas, là. Les manifestations se mélangent, mais je veux dire, on voit quand même dans des images comme celle-là qu'on n'a pas affaire à des pacifistes. Moi, ça me fait beaucoup peur parce que malheureusement, c'est pas fini, là. Ce qu'on voit en Israël, c'est que la guerre... si on pouvait espérer, mettons, à l'automne dernier, après un mois, deux mois, on disait, bon, ben là, tu sais, Israël va avoir achevé le Hamas, puis à Noël, ça va être fini. Ouais. Là, on regarde ça, OK, c'est le Hamas en Palestine, c'est le Hezbollah au Liban, Israël est embarqué sur tous les fronts. C'est une guerre qui pourrait durer des années. Alors, si la tension continue de monter chez nous, dans nos rues, les universités comme Concordia, McGill vont faire quoi, sincèrement, on se le demande. Est-ce qu'on fait là être exporté un petit peu partout dans toutes les grandes villes? Où en est votre thermomètre de l'espoir, Emmanuel? Bien, il est plutôt très faible. On ne peut pas... Je veux dire, il va rester à zéro pour très longtemps. Là. La réalité, c'est que la violence de la riposte du gouvernement Netanyahou dans la bande de Gaza a créé des générations de Palestiniens radicalisés, là. Ces gens-là, à cause de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ont vécu, ne voudront plus jamais la paix. Et la réalité, c'est qu'à la lumière de la violence de ce conflit, il n'y aura plus d'espoir, d'après moi, de négociation, de paix quelconque là-bas. Surtout pas tant que les Palestiniens ne vont pas se doter de leaders éclairés, non corrompus et non terroristes. Et en ce moment, ben, c'est ce qui mine tous les efforts tant en Cisjordanie que dans la bande de Gaza. Paul? C'est l'illustration parfaite du cercle vicieux de la violence qui entraîne la violence et le thermomètre de l'espoir. Je pense que vaut mieux le cacher, laisser passer la tempête pour plusieurs années, parce que de manière réaliste, on ne voit pas comment il pourrait y avoir une trêve dans les conditions actuelles. En même temps, revenons à la journée d'aujourd'hui. Il y a un an aujourd'hui, c'était le début de ce cycle-là. Ce n'était pas le début du conflit, le début du cycle actuel. Et l'opportunité pour les éléments pro-palestiniens de débarquer dans les rues de Montréal et partout ailleurs en cette journée particulière, peut quand même soulever des questions. N'oublions jamais que le début de ce cycle, je le précise encore une fois, le Hamas qui attaque, qui massacre délibérément des civils. Une attaque, c'est la pire de l'histoire d'Israël. 1200 personnes et un peu plus de tués, dont la plupart étaient des civils tués délibérément par les combattants du Hamas, parce qu'ils étaient israéliens. La réplique d'Israël est impitoyable par la suite, c'est clair. Mais Israël n'a pas délibérément, jusqu'à preuve du contraire en tout cas, n'a pas délibérément tué des civils. Il y a eu d'énormes dommages collatéraux. On peut s'interroger sur l'ampleur de la riposte israélienne et surtout de sa durée. Mais Israël n'a pas délibérément tué 1200 personnes comme le Hamas l'a fait il y a un an. Ouais. C'est de la provocation, là. Je veux dire, si on veut vraiment là, oser le dire, là, aujourd'hui, c'est se poser. Tu sais, il y a des causes, des drames, il y en a partout à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, c'est se poser être une journée en honneur et à la mémoire des victimes, des pogroms menés par le Hamas. C'est ça, la journée. C'est en leur honneur à eux et en l'honneur de la centaine d'autres otages qui sont encore coincés là-bas et dont certains sont morts. Ouais. On peut manifester pour la cause palestinienne n'importe quelle autre journée de l'année, mais on oserait espérer qu'ici, au Canada, à des milliers de kilomètres de cette guerre-là, dans notre société, il y aura un respect pour ça. Mais il n'y en a plus. Pourquoi?
parce que ça fait un an qu'on tolère les zones grises de manifestations pro-palestiniennes qui dérapent. Et donc, finalement, bien, c'est devenu permis dans l'espace public. En terminant, comment juger, Mario, du rôle du Canada dans tout ça, là, au long de ces derniers mois, là, et toutes les dissensions internes, en plus, au sein des élus libéraux? Ouais. Le Canada est comme plusieurs autres pays du G7. Au départ, on a reconnu le droit d'Israël de se défendre. Puis peu à peu, on est allé ajouter, après un certain temps, là, on s'est rendu compte de l'ampleur de ce qu'Israël est en train de faire comme opération. Mm-hmm. On a mis une certaine pression sur Israël pour que ça cesse ou qu'on cherche des solutions pacifiques ou qu'on essaie de trouver une solution pour rapatrier les otages, obtenir un cessez-le-feu. Mais là, soyons réalistes, là, si Joe Biden parle, si les États-Unis parlent, puis Netanyahou fait à sa tête, je ne pense pas que M. Netanyahou tremble quand Justin Trudeau parle. Soyons réalistes. Ouais. Il reviendra sûrement au cours des prochaines semaines. Au retour, on fait le bilan du voyage en France de François Legault, où ses déclarations sur l'immigration ont fait énormément de bruit. Restez avec nous.